Salut tout le monde, c'est Alex le serveur, on se retrouve pour la suite de Paper Mario The Origami King. Nous sommes toujours dans le château de Bowser. Qu'est-ce qu'on va découvrir derrière cette porte? Des choses horribles, je le pressens. Il y a le serpentin en tout cas. Le dernier serpentin, vous vous rendez compte? Nous y voilà, c'est l'extrémité du serpentin vert. Cette fois, c'est la fin, Mario. Le tout dernier des serpentins. Et il y a Bowser. Vous l'avez vu? Le pauvre. Attention! Ah bah, des ciseaux. Évidemment. L'escrimeuse à deux lames. Paire de ciseaux! Ah bah oui! C'est elle qui faisait des petites formes en noir, du coup. L'esquive était belle, j'en conviens. Mais je n'entendais pas moins, car il aurait presque été navrant d'en finir avec vous si prestement. Mettez-vous donc d'abord en jambes, j'ai là un nouveau petit compagnon, vous allez pouvoir jouer ensemble. Ah. Oh. Mon dieu. Elle a fait une espèce de bruit insecte géant à partir de ça. Quelle horreur! Les ciseaux ont découpé les visages de plein de gens pour fabriquer ce monstre. C'est trop affreux, je ne peux même pas le regarder. Il vous paraîtra peut-être mignon, mais vous allez devoir l'affronter. Je vous souhaite bien du plaisir, et si par hasard vous surviviez, je serai là prête à vous accueillir. Oh là. Ah, c'est pas un combat, c'est... C'est quoi ce truc? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Mais fous-moi un combat normal plutôt qu'un combat comme ça. Ok. Donc pas le toucher. Marteau. Oh putain, j'ai pas eu le temps de lancer le marteau. Mais purée de patates! Laisse-moi le temps de bien... Yes! Il tourne pas pareil, lui. Ok. Ouf! Ah, d'accord, c'est collé sur un bruit insecte macho. Salut, Hook. J'espère que tu vas bien. Merci de venir me soutenir pour ce combat horrible, dégueulasse, contre un monstre horrible et dégueulasse. Comment faire, hein, c'est pas compliqué. Ouais, alors faut bien s'aligner par contre. Et Hook qui se demande s'il préfère soutenir ou se moquer. Tu peux te moquer là parce que là je galère un petit peu. Beaucoup. Mais on a le droit de se tromper. Hein? Mais j'avoue que là je préfère les combats classiques entre guillemets de ce jeu. Parce que là, les trucs d'action. Mario, c'est moi, Kamek! Cette monstruosité a su détourner à son profit mes pouvoirs magiques! Oh oh. Attention, il se prépare à te lancer un sort extrêmement puissant! Si tu réussis à lui retirer mon visage, ça devrait nettement l'affaiblir. Essaye d'esquiver son attaque, puis décolle mon visage. Oui, dit comme ça, ça paraît ridicule, mais fais-le! D'accord, je veux bien esquiver, mais je sais pas à quoi ça ressemble son attaque. Oui, vas-y, viens! Allez! Oh, purée de patate. Ah mince, il est pas encore... pas encore totalement. Ah, c'est bon, c'est fixé. Oh, d'accord, deux à la suite. Fallait prévenir.
Purée. Ah, le deuxième, il te le renvoie sec. Oui, oui, je fais ce que je peux. Tac. Allez. Il lui reste un petit bout de Kamek encore. Il va en balancer 3 là, j'imagine. Ah non. Allez. Ah, oh, purée. Là, cette fois-ci, voilà, c'est la bonne. Oh. T'as réussi. Il ne peut plus utiliser la magie. Tu n'as plus face à toi qu'un simple bruit insecte géant. Achève-le rapidement, d'accord? Simple. Faut leur sauter dessus normalement les bruits insectes. Aïe. Il a pas aimé. Oh bah ça va, s'il rebondit comme ça, ça va. On le voit venir. Papapapapapapapam, vite, 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 vite. Ah. Et ben voilà. Et Mario, n'oublie pas la paire de ciseaux. Non t'inquiète, j'avais pas oublié. Composé des visages de sbires aussi minables, cette créature ne pouvait guère être qu'un jouet peu fiable. Qu'importe, vous voilà échauffé, en garde cloporte, on va batailler. Le vrai combat. Contre une paire de ciseaux. Sans détour, je vous le dis, dans peu de temps, vous serez charpie. Mais de m'amuser, j'ai la lubie. Je pourrais sans plus de manière vous tailler sur le champ en lanière, mais cela ne saurait me plaire. Aussi ai-je décidé sans embâche de vous octroyer un léger avantage. Voilà, de ce fourreau, j'ai revêtu mes lames affûtées afin de disputer ce duel avec un peu plus d'équité. Dans la joute, attention cependant à ne pas réduire cet étui à néant. Je considérerai comme un outrage une telle bévue, et vous ferez payer l'affront sans plus de retenue. Alors est-ce qu'il faut lui retirer ou pas du coup? Ou qui dit le lexique est digne d'un Mylène Farmer. Grand foufou va. Alors attends. On aurait bien mis le on. Allez. Attention, danger, ne cassez surtout pas cet étui. Choisissez bien la cible de vos attaques. Ok, donc je ne dois pas casser l'étui. Oups. Par quel amateur de briser ainsi malgré la mise en garde cet étui. Mes lames ont été dégainées et elles ont désormais soif d'encre et fin de papier. C'est joli. Ok, bon. De cela vous n'aurez nul besoin et j'aime à me battre avec une vue dégagée sur le terrain. Il faut surtout pas péter les tuyaux quoi.
Concentration, honneur, estime, en garde pour l'attaque ultime. Alors. Bon, ça je m'en fous. Il est impossible de parer le coup de lame de la paire de ciseaux. Sauter au bon moment en appuyant sur A. Il est possible ou impossible? Je sais plus ce que j'ai lu. Si il sautait au bon moment, c'est que c'est possible du coup. Rien ne peut mon estocade arrêter. Ennemi place en relief, adieu, votre erreur a sonné. Sinon c'est un coup mortel, c'est ça? Hé, hey, c'est déloyal, je te méprise. Esquivé d'un sommet lame, quelle infâme traîtrise. Donc oui, il est possible d'esquiver en fait. Ok. Pas les refermer un bon coup ou les désolidariser. Oups. D'accord. Alors, Jonathan qui dit, je me demande si ce qu'il arrive si tu n'esquives pas. Ouais, j'ai bien compris que ce serait la merde. Attends. Ça, tac, plus 1. Ça va pas. Bah oui, ça sert à rien de faire deux tours. Tac, 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 tac. Le on, le plus 1. Ok, bon je crois que c'est bon. Il est impossible de parer. Oui. D'accord. Donc ça devient il est impossible, donc on a dit c'est que ça me tue en un coup. Donc on lui fout deux gros coups. Parce que si je dois faire que des esquives parfaites jusqu'à la fin, sait-on jamais. Vaut mieux que ça dure pas trop longtemps. Ça risque de durer pourtant. Non! C'est le feint en plus. J'ai rien d'autre que ça.
Voilà. Ouais. Pas grand chose. Fait un excellent. Même pas la moitié quoi, c'est horrible. Il va se calmer, non? Voilà. Ah non, il faut une... Putain, j'ai oublié, il faut une flèche forcément au début. Je me fais avoir à chaque fois. Merde. Pitié. Me dis pas qu'il faut se retaper le combat juste avant. Et si, ce qui me fait reprendre de la sauvegarde. Ok. Coup fatal. Oh non. Ah, c'est chiant. Blabla. Oui, je sais. Bon. Allez, on passe tout ça. Ok. Allez, on approche de la fin, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Ah, jauger de la distance comme ça, c'est pas évident. Hein. En latéral, oui, mais alors avec la profondeur, pas simple. Oui, je sais. Bon, donc surtout ne pas péter les tuyaux. On va devoir faire que des sauts, mais ça va être très long. Hop, tac. Ah, je suis à donf. Ah bah quand on sait, c'est un peu plus facile forcément. Et quand on connaît bien le pattern, c'est encore plus simple. Voilà. Ah bon, il part pas dans le sens dans lequel il regarde, d'accord. Ça. Super. Deux coups déjà. Non, il part dans le sens dans lequel il regarde. Ok, non, mais tout à l'heure c'est ce qu'il a fait, purée de patate. Ça c'est bien par contre. Dépêche-toi, Michel. Oui, la paire de ciseaux. Alors,
Oui. Donc vous avez compris, hein? On ne touche pas les trucs. Moi je sais pas, on me dit ne fais surtout pas ça. Peut-être qu'en fait, il faut le faire. Bon, elle est passée. Et la paire de ciseaux ne présente pas, elle pourrait bien couper net ton aventure d'un coup de lame. Il n'y a pas moyen de parer face à ces deux lames. Tu dois trouver un autre moyen pour éviter son attaque. Donc surtout pas la grosse attaque. Attends. Oui. Et je me suis trompé là. J'ai pas voulu faire ça. Coucou. Voilà. Ah. Ok, donc. Voilà. Là on ne saute pas. Là on marteau. Voilà, excellent. Ah mince. D'accord, donc elle va alterner, d'accord. Saut, marteau, saut, marteau. Bah, on si tu veux, mais bon, je m'en fous. Alors, je vérifie parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir. Oui, c'est bon. Oui. Ne casse surtout pas les tuyaux. Oh oui, voilà fort longtemps que je n'avais plus affronté d'adversaire aussi vaillant. Je retrouve l'ardeur du combat. Approche en garde, me voilà. Ah! Je me disais aussi que c'était trop simple. Bah écoute, on choisira au dernier moment. Hein. Vraiment au dernier moment, j'ai l'impression. Assez, c'en est trop. L'amusement a un temps à durer, mais tes pitoyables attaques ont fini par me lasser. Coupons court au combat. Il faut trancher, je suis là pour ça. Non. Oh non, on revient au même cauchemar. De cela, vous n'aurez sûrement nul besoin. Et j'aime à me battre avec une vue dégagée sur le terrain. Oh non. Mais c'est horrible! Tout ça pour revenir au même point? Mais je vais recommencer 100 fois ce boss, c'est pas possible!
Purée, je suis dégoûté. Ok. Faut que je sorte mes armes les plus fortes sinon. Hein. Ok. Ok, on a toujours le on. Et je vois qu'on a quand même des sacrés... sacré truc. Alors on a le feu et on a, c'est quoi ça? C'est le, c'est l'eau. Le feu, ça peut être pas mal, c'est du métal. Tac. Tac, 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 tac. Si sauter pour l'éviter vous semble trop difficile, tentez de la geler sur place pour l'empêcher de bouger. Oui, mais j'ai pas la glace. Ah non, c'est pas le feu. Attends. Non. C'est pas le feu que j'ai activé. C'est la glace. Parfait. D'ici à ce qu'il se dégèle. Tac, tac, tac. Attends. Hop, 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 ouais. Gèle et regèle. Hein? Non! Parce qu'il est déjà gelé. Attends. On va faire plus simple. Voilà. Lorsque la paire de ciseaux est gelée, c'est l'occasion parfaite de l'attaquer avec les bras multipliés. Ah, mais oui. J'ose pas la dégeler. Bon. À zéro?
Ah, j'ai gâché un peu de marteau de marteau chatoyant pour ça. Évidemment. Donc faut la regeler. Pas le gel. C'est bon. Ouh. Et on y va. Allez. Allez. Ah. Eh ben. C'était quelque chose. Alors, que dis-tu de ça? Là, on t'a réglé ton compte. Ça t'apprendra à sous-estimer mon ami Mario. Oh! Merci Jonah Bran, merci Hook Hook dans le chat de Twitch. Ils me soutiennent. Et salut Yvan. Et merci. Tu as réussi Mario, j'ai retrouvé mon aspect normal. Et j'ai même réussi à ne pas perdre ma baguette. Eh, pas mal. Comme quoi, faut pas croire tout ce que papa dit de toi. T'es pas si petit et si bête que ça. Bon, il ne nous reste plus qu'à nous occuper du serpentin vert. Réglons la question comme on le fait toujours, en cognant dessus super fort. J'aime bien cette idée. Allez, aligne-toi. Oh. Félicitations, serpentin vert retiré. Aïe, je peux avoir encore plus de confettis. Méga sac. Beau travail, Mario. On a réussi, on s'est occupé de tous les serpentins. Merci à tous pour votre aide. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi depuis que tu m'as tiré de mon mur, Mario, je tenais vraiment à te remercier du fond du cœur. Sans ton aide, je ne serais pas allé bien loin. Tout va bien, Olivia? Eh bien, je suis bien contente que nous puissions enfin accéder au château de Peach, mais... je me demande si je vais réussir à arrêter mon frère. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Hé, Origamine! Tu n'imaginais pas qu'on allait te laisser te charger lui toute seule quand même. Tu connais l'histoire, non? Mario doit aller sauver la princesse. Et moi, je dois trouver Oli et lui envoyer mon poing dans la figure pour m'avoir mis dans cet état-là. Ou plus précisément, lui donner des baffes jusqu'à ce que mon corps ait repris son aspect normal. Grrr. Ouais, je vais lui faire payer pour ce qu'il a fait subir à mon papa, moi aussi. Et pour tout ce que j'ai dû subir moi, comme une quarantaine de bains, un découpage en morceaux, bah... voilà qui est bien dit. On va lui montrer de quoi sont capables les papiers sans plis. Et lui apprendre à craindre les redoutables sbires de Bowser. Oh, merci, 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 merci.
Avec votre aide à tous, je devais pouvoir y arriver, hein, oui. Je devrais. Je vais lui régler son compte. J'arrive, cher frère, et cette fois, ce n'est pas un rocher qui m'arrêtera. Oh, je repense à Bobombe. Oh, au fait, comment est-ce qu'on va se rendre au château de Peach? T'inquiète pas pour ça, Origami. Tonton de Bowser t'a déjà trouvé une solution. Mais d'abord, vous allez devoir me rendre un petit service. Décrochez-moi de là. J'arrive. Tout de suite. Allez. Oui. Oui. Il ressemble à une vulgaire boîte à pizza. Ah, ça va mieux. Un peu. Alors, monsieur Bowser, c'est quoi juste votre plan pour nous faire rentrer dans le château de Peach? Parce que son château est posé au sommet d'un volcan, vous savez. Certes, certes. À ce sujet, maître, nous devrions peut-être prendre quelques instants pour discuter de... J'ai pas de temps à perdre à écouter tes bavardages. J'ai justement l'arme secrète qu'il nous faut pour ce genre d'excursion. Mario, Origamine, j'ai quelques préparatifs à faire. Suivez-moi. Faut qu'on aille à la réserve de matériel. C'est au rez-de-chaussée. Ah bah, c'est là où je vais pouvoir refaire, du coup. Attendez. Pouvoir refaire ce que j'avais fait la fois dernière dans le... avec le coffre-fort machin truc et où le serpentin m'avait bloqué. Rien de caché ici? Non mais là c'est de l'eau de façon. J'aurais mis de la lave moi dans le château de Bowser. C'est juste de la déco. Ouais. Ah on sait jamais hein. Bon ok, y'a rien. De toute façon, on reparcourra tout avec les détecteurs. Là, j'aime bien le faire sans. Ah, on est d'accord, Hook. Hein. C'est vrai que cette texture appelle le marteau. T'as réussi, mon gars. Pour une fois, la feuille a battu les ciseaux. C'est une première. À tous les coups, quelqu'un va écrire un livre sur ton exploit. Après, on en fera un film qui plaira à personne. Toi, t'as vu Super Mario Bros. En 93. Alors, c'est pas encore fini, hein. Si seulement j'avais continué les études, j'en serais pas là. Maître Bowser m'a confié un court message à votre attention. Vous vous ramenez à la réserve de matériel ou quoi? Hein, j'y suis avant vous et je marche sur mes gencives. Oui, les masques, ils parlent comme ça. Bon, je vais pas parler à tout le monde. Ah Mario, te voilà. C'est juste une réserve de matériel, mais attends un peu de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Bon, tout ça normalement, ce sont des zones confidentielles qui te sont totalement interdites d'accès. C'est pour ça que j'y ai fait installer un système de sécurité. Personne n'entre là-dedans sans mon accord. Pour déverrouiller la porte, il faut faire un truc avec ses piliers. Ouais, ouais, les piliers, ça j'en suis sûr. Bah vas-y, essaye donc, qu'on voit un peu si t'es si fort que ça. J'ai déjà fait la fois dernière, je te ferai dire. Et je crois qu'ils ont gardé la forme en plus. Tiens. Vachement sécuritaire ton truc. J'aurais dû me douter que tu trouveras la solution. Il valait rien ce système de sécurité. Je vais exiger un remboursement. Enfin pour le moment suivez-moi. C'est vrai que c'était l'occasion rêvée de faire de la pub pour Génération Mario. Un livre qui retrace l'histoire de Mario aux éditions Third par Lula Sinafuber. Et Alexis Bros. Quand même, écrire un livre sur Mario Bros avec Alexis Bros. Ouais, c'est vraiment, Ah, c'est quelque chose, hein, mais c'est quoi au juste? Patience, Origamine. Bon, Mario, j'ai encore un petit service à te demander. Viens voir. Ça sent la navette ou un truc comme ça, ou... un vaisseau, je sais pas quoi. Un Bowser géant? Qu'est-ce que ça va être comme bêtise encore? Bon, laissez-moi prendre ce bloc. Ce coffre. Ah, oh, les guerriers découpés, quelle horreur. J'en ai encore froid dans le dos. Appuyez sur le bouton de gauche et tous nos problèmes seront réglés. Allez, vas-y, appuie dessus. Et si j'appuie à droite?
Ah bah oui. Un aéronef. Génial. Oh là là. La musique est super. Mouah, ah, ah, admirez la nouvelle version de ma forteresse volante, plus grande que jamais. Elle a vraiment l'air chouette, et vous dites que ce truc peut voler? Alors, Mario, t'en dis quoi? Je parie que papa comptait s'en servir contre toi. Peut-être qu'il le fera quand même d'ailleurs, va pas tout examiner en détail à bord, c'est top secret. Oh, tu t'occupes aussi du nettoyage de la forteresse volante? Quoi? Ah, ah non, ça c'est un balai magique, il est pas fait pour balayer. Quoique... Il y a quand même pas mal de poussière par endroit. Faudrait faire quelque chose. Pareil pour le service, mademoiselle. Bobby, c'est toi, mais... Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mirage, une vision? Qu'est-ce qu'ils font tous là, tous ces Bobby? Non, c'est impossible. Bobby est parti, n'est-ce pas? Il s'est fait exploser pour me sauver. Vous me confondriez pas avec un autre bobombe? Non mais c'est pas grave, ça nous arrive tout le temps. Aucun bonbon n'est irremplaçable, c'est comme ça. Alors tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de partir en laissant une forte impression. Pas vrai, mademoiselle? Ma foi, il faut croire. Si tu le dis. Bon, j'ai arrêté de me tracasser pour ça. Ça me fait tellement plaisir de te revoir, Bobby. Et au fait, merci. Oh, c'est trop mignon. Allez, tous à bord. On va prendre d'assaut le château de Peach, on a rien de temps. Je voulais passer à Toadville, mais bon. Et vous deux, faites vite tous vos préparatifs pour le départ. Si vous avez des pilules contre le mal de transport, c'est bon de les avaler. Bon, il devrait sûrement y avoir un tuyau qui nous ramène de façon au début. En route pour le château de Peach. Allez. Parfait. Non, pardon. Parfait, tout le monde à son poste. Lancez les machines. Lancez les machines. Lancez les machines. Ah, ah, nous y voilà, cap droit sur le sommet du volcan. Et on y va! À fond les manettes! C'est incroyable. C'est déjà pas facile de flotter au-dessus du sol et voilà que ce navire vole carrément dans les airs. Alors qu'il est gigantesque et certainement hyper lourd. Moi, ah, ah, ravi que mon bateau te plaise, Origamine. Il paraît que comme engin aérien, on peut pas faire plus puissant ni moins efficace. Je te ferai bien une visite guidée, mais on est presque arrivé. C'est classe pour se déplacer, hein. Maître Bowser, ennemi en vue, droit devant. Oh, oh. Ah oui, carrément. Des avions en papier. Et alors, tu crois que ces canons sont juste là pour la décoration? Chargez les canons et ouvrez le feu! Allez les spikes. Quelle bataille spectaculaire! Vas-y, Kamek. Bouah, ah, ah, c'était trop facile. Tant mieux, la peinture est neuve, j'avais pas envie qu'il les rafle. Maître, il en arrive d'autres. Bah, ils savent vraiment pas quand il est temps d'arrêter les frais, hein. Mario, tu voudrais te rendre utile pour changer? Suis-moi. Mini-jeu?
Je laisse l'honneur de manœuvrer le canon. Bon, il y a que deux façons de diriger ce machin. Tu préfères les commandes par mouvement ou le stick gauche? Le stick gauche. Ok, prépare-toi. Hors de question de le faire à la reconnaissance. Je vais t'expliquer rapidement comment fonctionne le canon. Pour déplacer le viseur, utilise L, puis appuie sur A pour pulvériser l'ennemi. C'est aussi simple que ça. Et pas question d'essayer d'ouvrir le menu pour le moment. Télécharger de tir au canon. Fais-le, et bien. Descends-les tous. Oh, c'est des beaux bombes. Ça va, on a une portée, enfin, vu la taille du viseur. Mince, ouh. C'est pas moi qu'il faut viser. Désolé Kamek, oui je sais. Eh hey, mais qu'est-ce que c'est? Voyons ça. Gros boss qui va arriver. Au secours de quoi? Ah. Ok. Je me croyais déjà fichu, tu m'as sauvé la carapace, merci. T'inquiète. Ça donne envie de jouer à Yoshi's Safari. Ennemi en approche, encore d'autres. Ok. Ah. Oh, oh. Ça devient chaud. Sans faute, hein, je crois, pour l'instant. J'en ai loupé, mais je me suis pas fait toucher. T'as le gros truc qui va arriver, là. C'est tout? C'est fini? Non, regarde en bas. C'est quoi, ce truc? Ça doit être leur chef. Il est assez impressionnant. Démolis-nous ce machin, Mario. Notre sort est entre tes mains. Jeune maître, fuyons. Bonne chance. Et... Putain, ça au mouvement, ça m'aurait fait déprimer. On voit rien que les fumées. Il se rapproche en même temps là. Ah mais il est descendu. Ah non, pas encore. Il est détruit? Tu l'as explosé? Non, il vient droit sur nous! Continue à tirer, Mario!
C'est enfin terminé. T'as réussi! Enfin, c'est la forteresse de papa qui a fait le gros du travail, hein. Oh, voyons, Mario s'est débrouillé de façon plus que confortable. Ouh. Eh ben. Beau travail, Mario, tu es notre héros, et bravo à tous les Bobbies pour cette énorme explosion. Ouais, enfin, n'oublions pas le principal, c'est quand même grâce à ma forteresse volante qu'on a pu arriver jusqu'ici, hein. Château de Peach en vue, préparez l'approche finale. Est-ce que le volcan va s'activer au moment où on va s'approcher et du coup, château de Peach dans la lave, ce serait une première. Oups. Tel Star Wars, il y avait encore un plus gros vaisseau. Allez, au plus... Ah bah non. Alors, c'est l'intérieur du volcan. Le cratère Chocho. Et encore un atterrissage en catastrophe. Oh non, je voulais dire... Oh, un atterrissage en catastrophe, c'est une première. Maître Bowser n'est pas là. Oh zut, Papounet va pas être content du tout. Il paie déjà son assurance une fortune. Eh mais, on est où au fait? Nous étions tout près du château de Peach. On doit toujours en être à proximité. Que t'arrive-t-il, Mario? Tu as trop chaud, c'est ça? C'est vrai que si on y prête attention, la température est assez désagréable. Peut-être parce que... Le monde est en feu! La raison est bien moins dramatique, à mon humble avis. Nous avons dû rater le château de Peach et atterrir en plein cœur du volcan. Et vous, en bas? Je suis ici. Abandonnez la forteresse volante, vous savez bien que j'en construirai une autre de toute façon. Grimpez donc jusqu'ici, j'ai quelque chose à vous montrer. Papounet, tu vas bien? J'avais peur que tu te sois fait plier encore plus petit. On arrive tout de suite. Bon sang, avec tout ce tohu-bohu, nous avons perdu à la fois mon balai magique et la junior mobile. Je crois qu'on va malheureusement devoir continuer à pied. TKT. Alors attends. On peut aller au-dessus. Comment? Ah bah là, je suis bête. Ouh, 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 rien que de se dire au bord. On sent que c'est vraiment super chaud. Ne pas tomber, surtout si tu n'y survivrais pas. C'est vraiment super dangereux, Mario. Ne tombe pas, d'accord? J'ai bien compris. Bah. Ah. Tout bête, mais... Même pas un petit bloc caché dans le coin. Chaud cacao. Oh là là! Des machos. Il réagit comme moi, c'est terrible. Oh là là, on dirait qu'il pleut des guerriers machos, c'est horrible, qu'allons-nous faire? Se barrer vite fait, je pense. Le chemin est trop étroit, ils pourront jamais passer par là. Alors, Eudricané, mets-toi plutôt à courir. Faut qu'on s'en aille d'ici au plus vite. D'accord. Oui, c'est une bombe après tout, hein. Misère. Ah, et des pots de boue macho aussi. Kamek? Oui, j'allais dire. Kamek, il tient sa robe, c'est trop marrant. Je vais les retenir. Vous, foncez tous rejoindre notre Bowser. Compris, merci Kamek. Quel homme ce Kamek. Très jolie scène. La position de la caméra et tout.
Et là, il va craquer. Voilà, je m'en doutais. Oh! Merde. Ah! Oh non! Ah, ça faisait un moment que j'avais envie de me battre! Alors ramenez-vous, sale monstre! Sois prudent, Bowser Junior! Junior! Oh non, Junior! Dépêche-toi! Kamek et votre fiston? J'ai vu ce qui s'est passé, gamine. Et t'en fais pas, ils sont tous les deux capables de se débrouiller seuls. Sans m'apesantir sur mes méthodes éducatives, il faut savoir donner à son enfant l'occasion de s'affirmer. Bon, admire-moi cette beauté. Le canon principal de la forteresse volante est toujours intact. Voilà ce qu'on va faire. On va grimper dans le canon et se propulser jusqu'au château de Peach. C'est brillant, je sais. Pas d'objection, alors en route. C'est suicidaire! Ah bah voilà. Le tuyau 6. Ah, vous avez vu ça? Pourquoi est-ce qu'on me félicite jamais pour mes idées géniales? Moi je vous trouve formidable, monsieur Bowser. Et je suis très impressionné de voir comment vous commandez tous ces sbires alors que vous êtes rien qu'un visage qui fait peur. Oh, c'est vraiment, c'est le moment de respirer à fond. Faut qu'on arrête mon frère et qu'on sauve la princesse Peach. Minute papillon. Je me demande si on peut... Toujours regarder ce qu'il y a autour. Le tuyau 6, la sauvegarde. Pas un petit trésor caché? Bon, moi je veux faire un petit tour à Toadville. Oh. Et leur voilà qui rentre dans un tuyau. Non merci, ce sera sans moi, je t'attends ici. Attends-moi, Bowser. Je reviendrai. Ah. Alors, je vais papoter avec les gens. Il y a cette fameuse personne qui permet de détecter les cœurs plus. Là, c'est pour rebattre les boss. Titan Papik, Mario, j'ai du nouveau pour toi. Hein? Je l'appelle le résolveur d'énigmes. Ça t'est déjà arrivé de sécher face à une situation compliquée en combat? Ça arrive à tout le monde. Ce bidule t'indiquera le meilleur endroit où placer les ennemis avec un bon vieux rond. Pratique, non? Il a même pas besoin de pièces pour fonctionner, ça marche tout seul. Une super affaire, je te le dis. Pour t'en servir, ouvre le menu plus et active-le depuis les paramètres. Pas la peine de me remercier, ça me fera plaisir, ça me fait plaisir d'aider un vrai héros. Eh, c'est pratique ça. De quel droit, je ne sais pas, mais bon. Mais je vais pas l'activer. Je vais continuer à jouer à la dure. Ah, je suis enfin chez moi, c'est décidé, je ressors plus de là jusqu'à la fin du jeu. T'as bien raison. Faut me virer tous ces origami, hein. Oh, ça fait du bien d'être enfin de retour chez soi, rien n'a bougé en plus, c'est vraiment parfait.
Est-ce que tu revends des trucs? Alors ça, c'est la meilleure. Tous nos accessoires sont épuisés. Merci d'être un client aussi assidu. J'ai tout. Waouh, je savais pas qu'il y avait un tuyau ici. T'étais au courant, toi? Tiens, regarde d'ailleurs dans les options. Taux de ville. Mini trésor, 29%. Il manque un bloc, point d'interrogation. Pareil dans les bois. Non mais c'est ouf. J'ai rien ou je suis à 100% partout? Si, la tour Belvédère. Apparemment non, enfin non, le mini trésor non. Si, le vallon des marrons, voilà. Sanctuaire de l'eau, pas mal. Oh là là. Ça va être dur de faire le total 100%. Non mais, qui c'est qui allait mettre ses traces de semelle là-haut? Et la porte, c'est pour les champs? Bah c'était moi en fait, au début de l'aventure. Là c'est les égouts. Je ne trouve plus mon lève-plaque d'égout, tu l'aurais pas vu par hasard? Ça je l'ai. Oh, tu l'as retrouvé, je vais enfin pouvoir rouvrir l'accès aux égouts grâce à toi. Oui, les gens me descendent dans les égouts, ça t'étonne? Oh, j'allais oublier, voilà pour te remercier. Oh bah tiens. Moi-même. Vu que c'est ouvert, de toute façon, j'en avais plus besoin. Le château eût été là. Quelqu'un le numéro d'un réparateur de pont? On a un gros souci là. Et debout. Je suis tellement content d'être rentré, c'est décidé, je ne sors plus de chez moi avant la fin de l'Origami Fest. Ça c'est déjà fait. Tous les Toads sont de retour. Il va de nouveau y avoir la queue pour descendre dans les égouts. Merci d'avoir réglé les soucis avant que Maître Toad ne s'en aperçoive. Maître Toad est rentré de ses voyages riche de ses nouvelles expériences et de pièces aussi. Ok. Tout le monde est heureux, mais... Alors où est-ce qu'il est? John Abraham m'avait dit, il est à Toadville, le mec qui peut t'aider pour les cœurs au cas où. Oh, te revoilà Mario. On dirait que tu m'as à nouveau sorti du pétrin en sauvant mon loyal employé. Pour la peine, je suis disposé à te vendre des confettis au prix le plus juste, c'est la moindre des choses. Non merci, pas de confettis. Je possède 99% de réserve des confettis répertoriés. Alors reviens m'en acheter quand tu veux. Ah ouais, lui c'est mon boss. Je vais pas acheter des confettis, j'en ai plein sur moi. Je me suis bien amusé au final, sans parler des pièces que j'ai gagnées. Rien de tel qu'un petit espresso du lièvre pour passer à la vitesse supérieure. Bah, il est où le... J'arrive pas à faire sortir le... Mais il a dû disparaître. Si jamais tu te posais la question, non, le thé de la tortue n'est pas préparé par une vraie tortue, sinon il serait jamais servi chaud. Un petit espresso du lièvre. Maintenant que le calme est revenu, je ne bougerai plus de cette terrasse jusqu'à ce que l'Origami Fest reprenne. Le Toad violet n'est pas là, mais il est en face. Vous êtes bêtes. Ça, c'est pour aller dans les montagnes.
personne ne me parlait de cœur. Contre la désespérance d'une amour en souffrance, il est une solution toute prête. En interrogeant le destin, nous dévoilerons le chemin vers les cœurs en dérédiction. Ah bah voilà! Le nombre de cœurs délaissés attendant d'être retrouvés s'élève à 3, le compte est net. Veux-tu obtenir un indice auprès du destin ton complice afin qu'il t'aide dans ta quête? Ça peut être utile avant le boss de fin. À la piscine dans le désert, la planche de surf est un mystère. Ouais. Une rose des vents sur la carte, ma parole, qu'est-ce que ça cache? Une stalactite une fois brisée peut te servir de marchepied. Alors, je vais noter. Donc, piscine, surf et désert. Honnêtement, je sais ce que c'est. C'est dans l'hôtel. C'est dans l'hôtel, du coup, dans le désert. Et par contre, je sais pas comment faire pour l'avoir. Ensuite, on a la stalactite à briser. Et deuxième, c'est rose des vents sur une carte. Ça, ça va être dans la mer, du coup, sur la vaste mer. Et ben, avant le château de Peach, ça peut être sympa d'aller les chercher. En attendant, et ben, on va se reposer et se préparer à l'exploration. Merci à tous, à très bientôt pour la suite de Paper Mario. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez et vous vous abonnez. À bientôt, ciao.